Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Comprenez notre émotion parce que vous étiez nombreux à vous attaquer à Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et quand nous disons, vous, c'est plutôt les hommes de Dieu, hein, les charismatiques que nous respectons, mais qui ont des églises, hein, les apôtres, les évêques, les pasteurs, les évangélistes, tout ce beau monde qui a suivi donc la première partie de cette émission. Consacré à l'Église qui devrait, comme ça là, être restaurée, à en croire l'homme de Dieu, l'apôtre Eyoka, donc dit Jean, sur ce plateau de Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Il avait expliqué pourquoi. Ce n'est pas de lui, mais de Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous lui avions fait confiance et donc lui avions permis de délivrer ici son message. Et nous avions dit dans la pensée du jour, le samedi dernier, qu'il était temps que quelqu'un vienne restaurer l'Église. À en croire ce qui, au vu de tout ce qui se passe actuellement, ou bien depuis un certain temps, ou bien ces dernières années dans l'Église. Donc, l'homme de Dieu avait délivré son message au temps voulu par le Seigneur, mais ça a suscité un lever de bouclier, une levée de bouclier terrible. Et nous venons ici, comme pour essayer de remettre les points sur les i, c'est pas Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, qui a engagé ce bras de fer avec les hommes de Dieu que vous êtes, avec les servantes du Seigneur, mais c'est plutôt. L'apôtre sur ce plateau. Apôtre, bonjour. Bonjour. Alors, après que vous ayez comme ça là, comment, que vous ayez comme ça là, jeté le pavé dans la mare, ou que vous ayez comme ça là, mis le pied dans le plat, alors que d'autres apôtres étaient en train de manger, est-ce que vous pensez que c'est une très bonne chose de venir marcher dans le pied, dans le plat des gens pendant qu'ils mangent? Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne venons pas ici pour déranger les gens. Nous venons redresser les choses, redresser l'erreur. Ah. Mais la question que je leur poserai est celle-ci. Veulent-ils continuer dans l'erreur ou ils veulent à ce que les choses soient redressées? Donc le Seigneur revient, il a fait des promesses à son peuple. Et je voudrais leur dire ici que l'Église appartient à Christ. L'Église n'est pas une propriété de quelques charismatiques, comme vous le dites, mais l'Église est l'œuvre de Christ. Jésus est le chef suprême de l'Église et c'est lui qui a décidé de restaurer l'Église. Ça ne vient pas de moi, je ne suis qu'un porte-parole et je dois dire la vérité. Et parce que nous, les enfants de Dieu, nous, les hommes de Dieu, nous savons ce que ça veut dire la vérité. Oui. Il y en a qui Le viennent. diable est le père du mensonge, mais Jésus, lui, il est la vérité. Exactement. S'ils sont du côté de la vérité, ils doivent écouter le Seigneur. Et nous avons retenu lors de votre premier passage ici, c'était le samedi dernier, que hors de Jésus, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que Jésus seul qui est la vérité. Et ce n'est qu'en lui qu'on trouve la vérité. Et donc, nous savons que depuis 15 ans qu'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, vogue sur ce plateau-ci, il y en a qui sont arrivés ici parler de Dieu, mais pas de la part de Dieu lui-même. C'est-à-dire, un bon matin, on se lève, on vient parler de Dieu. C'est vrai, c'est bien de parler de Dieu, mais est-ce que vous êtes mandaté? C'est bien, vous êtes apôtre, évêque, archibishop et tout ça. Oui, ça on reconnaît. Vous faites des miracles. Mais est-ce que vous êtes mandaté par Dieu lui-même? Tout le problème se trouve là. Et surtout la question que nous nous sommes posée, est-ce que l'Église se porte bien? Regardez vous-même, objectivement. Au lieu d'être choqué pour être choqué, est-ce que l'Église se porte bien? Mais l'homme de Dieu, à cette question-là, nous ne pouvons pas répondre. Parce qu'on a dit Homéostasie, c'est vous qui encouragez tout le monde qui arrive. Donc vous devez vous défendre ici. Si on regarde l'Église aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'elle se porte bien. Mais vous arrivez pour restaurer l'Église. Et si nous avons retenu un tant soit peu ce que vous avez dit, restaurer, c'est remettre tel que c'était à l'origine, en l'état original. Le retour aux sources. Retour aux sources. Oui. Donc, à vous en croire, c'est comme si l'Église est sortie de son orbite, de sa trajectoire, de sa destinée. C'est comme si l'Église s'est égarée déjà depuis un certain temps. Je vais essayer de brosser un peu le tableau. Brosser le tableau. Oui. Il y a dans l'Église de Christ ce qu'on appelle la mission principale. Jésus a donné aux apôtres et à toutes les générations chrétiennes passées sous le ciel une directive principale. La directive principale de l'Église est laquelle? C'est que Christ soit témoigné au monde entier.
Donc il a fallu que le Christ puisse souffrir et qu'il soit tué et qu'il ressuscite des morts pour que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés dans le monde entier. C'est connu. À commencer par Jérusalem. Ça, c'est la mission de toute l'Église. Mais les apôtres de l'Église primitive avaient reçu une mission express. Ah. Une directive secondaire. La directive secondaire concerne quoi? La directive secondaire concerne le message du temps ou de l'époque ou de la génération. Et quel était ce message? Cette directive. C'était eux qui devaient lancer les bases de la fondation de la doctrine chrétienne ou les fondements de l'œuvre de Christ. Et ces fondements ont été posés. Et on ne peut plus aujourd'hui poser d'autres fondements. Le fondement de la doctrine chrétienne, c'est le Christ. Maintenant, le reste des hommes de Dieu qui doivent venir, ils viendront pour construire, mais sur les fondements. Ils ne doivent plus poser d'autres fondements. Donc, les bornes avaient déjà été placées par les apôtres de l'Église primitive. Et personne n'a le droit de déplacer ces bornes. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Déjà à l'époque dite primitive, l'apôtre Paul signale d'éventuelles divisions dans l'Église. Ah. Si vous lisez dans Actes chapitre 20, du verset 29 au verset 30, l'apôtre Paul dit, après mon départ, il était en Asie mineure, il dit, après mon départ, il y aura des gens parmi vous qui vont se lever pour enseigner aux autres des choses pernicieuses, c'est-à-dire des choses qui viendraient pour égarer les disciples. Mais des loups cruels vont s'introduire dans le troupeau, ils n'épargneront pas le troupeau et pour entraîner les disciples après eux. Et c'est là le début de cette dénomination de religion. Donc des gens qui arrivent, essaient d'égarer 10 personnes et autres, ils les amènent avec pour faire quoi? Pour créer leurs églises. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc, on signalait déjà à cette époque ce qui allait arriver. Alors, et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, je peux dire quoi? Donc, cet héritage-là, c'est ce que l'apôtre Paul explique dans Philippiens 3, à partir du verset 17. On peut aller jusqu'au verset 21. Il dit quoi? Ayez les regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus leur a laissé un modèle. C'est exactement comme Moïse. Il ne devait pas construire le tabernacle comme il voulait. Le plan du tabernacle lui a été donné. Il l'a vu lorsqu'il était parti sur la montagne sainte. Lui a été révélé par Dieu. Et c'était le plan du vrai temple qui existe dans le ciel. Dans le ciel. Donc il devait construire le tabernacle selon ce modèle-là. Ah, donc l'Église également... Dieu a également, Jésus a également donné à ses saints apôtres, donc à ses prophètes de l'Église primitive, un modèle. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, le modèle a été posé. C'est un peu ce que j'essayais d'expliquer le samedi passé. Qu'est-ce que je disais? Je disais que l'Église, il y a ce qu'on appelle l'Église visible ou l'Église physique ou ce qu'on appelle le rassemblement des saints. Et cette Église-là, elle est essentiellement locale. Donc, l'Église s'identifiait à la localité. C'est le modèle de Christ. J'ai cité l'Église de Jérusalem, l'Église d'Antioche, Philadelphie, Éphèse, Corinthe et autres. Ce sont là les localités. Et lorsque les apôtres écrivaient leurs épîtres à ces disciples-là, ils disaient « Épîtres aux Romains, aux Corinthiens, ainsi de suite ». Ça, c'est le modèle biblique. Cette église-là était une seule église parce qu'ils travaillaient tous ensemble. Elle était dirigée sur le plan universel. Quand je parle du plan universel, ça veut dire que l'ensemble de toutes les églises, des églises qui existent dans le monde, par exemple. Et alors, ces églises étaient sous la direction des apôtres. Mais sur le plan local, dans une localité comme Brazzaville, il y avait ce qu'on appelait des collèges d'anciens. Et voilà pourquoi quand vous lisez la Bible,
On vous dit les anciens qui étaient à Jérusalem, les anciens d'Éphèse, de Milet, ainsi de suite. L'apôtre Paul, qui allait dans chaque ville, réunissait ses anciens pour leur prodiguer des conseils en tant qu'apôtre. C'était son travail en tant qu'apôtre. Alors, maintenant, à cette époque-là déjà, on nous avertissait qu'il y avait des gens qui venaient avec des recettes préparées d'avance par l'esprit de la rébellion qui gouverne le monde. Et ces recettes venaient pour lutter, pour s'opposer à la vraie doctrine de Christ. Voilà pourquoi dans Philippiens 3, verset 17, Paul dit « Ayez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il dit « Il y en a plusieurs. » J'en ai souvent parlé, mais j'en parle maintenant en pleurant. « Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » C'est écrit dans la Bible. C'est écrit, je dis bien, dans Philippiens 3. Ah. Il y en a plusieurs, on peut même lire la Bible. Donc vous n'inventez rien. Je n'invente rien. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Donc la première chose, c'est que ces gens, quand ils arrivent, ils ont renversé la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais il dit, mais quant à nous, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire lorsqu'il apparaîtra. Lui qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Mais ça veut dire quoi dans tout ça? Ça veut dire quoi? Un, le modèle a été laissé de côté. Deux, leur évangile est différent de l'évangile de Christ. Et qu'est-ce qu'ils font? Leur évangile plaît à quoi? À la chair. Amène les gens où? À la jouissance aveugle des biens de ce monde. Mais ils ne prêchent pas l'évangile comme tel. Ça, c'est la différence. Vous en avez la preuve aujourd'hui. Ceux qui annoncent l'évangile pour dire, venez, vous aurez le visa pour aller en France, je ne sais pas, en Europe, je ne sais où. Est-ce qu'on va aller au ciel parce qu'on est parti en France ou en Europe? Et la destinée de l'Église, elle est connue, elle est écrite. L'Église a été créée pourquoi? Alors, Dieu a placé dans le jardin les deux personnes qu'il avait créées au commencement, donc Adam et Ève. Et au ciel, le diable s'était rebellé avec quelques anges. Il a été chassé du ciel. Il s'est frayé un chemin. Il est descendu sur la terre. Il est venu dans le jardin d'Éden et sous forme de serpent, on dit le serpent ancien. Dieu avait planté dans le jardin un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres, les fruits des arbres du jardin, mais sauf le fruit de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur est parti. Le diable vient, au lieu de passer par Adam, le diable passe par Ève, parce que Ève n'a pas reçu directement le message. Il a reçu à travers son mari. Il dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et là même, Ève a essayé de mentir. Dieu a dit, il ne faut pas toucher à ce fruit, il ne faut pas le manger. Le diable a dit, non, il vous trompe. Si tu le manges, tu seras comme lui. Tu auras de la connaissance du mal et du bien comme lui. Et la femme a vu que le fruit était bon à manger. Et elle a pris le fruit, elle a mangé le fruit. Elle l'a amené vers son mari et a demandé à ce que son mari le mange. Et le mari a mangé le fruit lui aussi. Et c'est là où ils ont découvert qu'ils étaient nus et ils ont fui. Et quand le Seigneur le soir venait visiter le jardin, et l'homme et la femme avaient fui. Mais pourquoi vous avez fui? Il dit non, Adam dit, la femme que tu m'as donnée m'a donné le fruit et j'ai mangé le fruit. La femme dit non, c'est le serpent qui m'a trompé. Et c'est là où il a essayé de maudire le serpent et donner des trucs comme ça, des jugements à la femme et autres. Hein, tu mangeras la chair de ton foin et l'autre dit, tu vas dépendre de ton mari, ainsi de suite. Alors, et là, l'homme a péché. Ça, c'est le péché. Le péché a été donc à l'origine de la séparation de l'homme d'avec Dieu.
Donc à partir de là, et Dieu, l'homme était séparé de Dieu. Voilà pourquoi on dit que le péché nous sépare de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes et qui nous empêchent de voir sa face, nous empêchent donc à ce que Dieu agisse dans nos vies. Alors donc à partir de là, et l'homme a été séparé de Dieu. Et qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a profité et pour faire de l'homme son esclave. Donc l'autorité sur la terre a été donnée à l'homme et l'homme a perdu cette autorité parce qu'il s'est soumis volontairement au diable. Et le diable s'est autoproclamé le prince de ce monde de ténèbres. Depuis là, le monde entier est sous le pouvoir du malin. On nous dit ça à l'église. Alors comme Dieu aime l'homme qu'il a créé, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer l'homme, pour sauver l'homme? Il est passé d'abord par plusieurs tentatives qui se sont avérées vaines. Et cette fois-ci, il a décidé d'envoyer son fils. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est donc venu au monde. Il est venu au monde pour la première fois. C'était pour faire pour que le péché soit aboli par son sacrifice. Et quand il est mort, il est revenu à la vie. Il était maintenant temps pour que l'évangile soit annoncé dans le monde. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pas n'importe qui. La bonne nouvelle de Jésus. Mais lorsque quelqu'un s'hasarde à créer une église pour lui, mais il prêche quel évangile? La bonne nouvelle de Jésus. Et ce n'est pas n'importe qui doit aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ah. Pour que les gens soient sauvés, il faut qu'ils entendent, qu'ils écoutent l'évangile. Pour qu'ils écoutent l'évangile, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Pour qu'il y ait des prédicateurs, il faut qu'ils soient envoyés. Envoyés par qui? Par le Seigneur lui-même. Ah. Ce que vous dites là est écrit dans la Bible. C'est écrit. Ah. C'est dans Romains. C'est écrit dans Romains. Vous voyez, donc l'évangile, c'est l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Jésus. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que nous étions déjà des esclaves de Satan. Nous étions des prisonniers du diable. Et cela à cause de nos iniquités, à cause de notre péché. Donc il n'y avait pas moyen pour l'homme de se débarrasser de cet état d'esclavage. Et vivant le péché, qu'est-ce que le péché amène? Le péché a quelques conséquences graves. Lorsqu'on est dans le péché, on est séparé de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Lorsqu'on est séparé de Dieu, on est sous la malédiction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'on a le péché, les portes de nos vies sont ouvertes et pour permettre au diable de faire quoi? De faire leur entrée dans la vie. Vous voyez dans les images, et lorsqu'on prenait autorité, comment les gens s'agitaient, les démons sortaient des corps. Parce que ces démons-là vivent dans les corps de ces personnes-là. Sans qu'elles ne s'en rendent compte. Oui, sans qu'elles ne s'en rendent compte. Ils les ont réduits en esclavage. C'est un peu ce qui se passe. Il y a des gens, parfois, ils sont bloqués dans leur vie, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, ils font tout, mais ils ne réussissent toujours pas. Et lorsqu'on est dans le péché, alors, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché peut entraîner à la mort, mais aussi à la mort éternelle. Ça veut dire que lorsqu'on meurt dans le péché, l'enfer existe. J'ai un enfant ici, un jeune garçon, que Dieu, Jésus-Christ est venu visiter à l'église. Il l'a amené en enfer 5 fois. Ah. D'affilée, chaque jour, jour après jour. Et il y a même tout un document qu'il a écrit. Alors donc, quand les gens qui... Voilà pourquoi je disais aux francs-maçons, à tous ceux qui sont dans les sociétés secrètes, je dis... Ne les provoquez pas. Non, je ne les provoque pas. Je dis la vérité, ils doivent être prêchés aussi. Ah, eux aussi? Oui. Ce message est pour eux. L'évangile leur concerne. Ah, d'accord. Concerne les païens. Mais alors, mais ce sont nos frères, non? Ce ne sont pas nos oncles. Oui, si, évidemment. Donc, moi, je suis congolais. Je connais la vérité. Que je la cache. Ah non. Est-ce que je serais content de les voir aller en enfer? Non du tout, même voilà. Le Seigneur qui vous a mandaté. Voilà pourquoi je leur demande de revenir à Jésus. Les francs-maçons.
pas seulement les francs-maçons, les rosicruciens, les païens, les animistes, même les païens, oui, les raéliens, oui, tout le monde, les raéliens, les ceux de Bavoula et autres là. Ah, tous ceux qui, les scientifiques, le New Age, tout ce beau monde là qui sont dans la spiritualité scientifique, tout ce beau monde là, ils doivent revenir au message de vie. Jésus est le chemin, Jésus est la vie, et c'est lui seul qui peut donner la vie. Il est lui-même la vie éternelle. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Je l'ai dit ici le samedi passé. On vous écoute. Donc, vous voyez, et donc, voilà, vous voyez les conséquences du péché. Maintenant, pour sortir l'homme de toutes ces conséquences-là, Dieu a envoyé son fils mourir sur la croix du calvaire. Mais c'est ce qu'on nous dit à l'église. Oui, mais est-ce qu'ils le disent comme il se doit? Ah, c'est aussi ça. Alors, on vous écoute, oui. Apôtre. Jésus est allé sur la croix, il a fait quoi? Il a porté sur lui les péchés de l'humanité entière. Maintenant, c'est à nous. L'évangile doit être d'abord prêché. Nous écoutons l'évangile. Et si nous ouvrons nos cœurs, nous acceptons Jésus, nous recevons Jésus dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur, alors nous sommes sauvés. Nous sommes pardonnés, lavés par le sang de Jésus. En ce moment, Jésus est assis à la droite de la divinité, à la majesté divine. Il comparait là-bas devant Dieu pour nous, non avec le sang des veaux des béliers, comme faisait le souverain sacrificateur, mais cette fois-ci, mais avec son propre sang. Ah. Mais il n'est pas là-bas dans un temple terrestre, et que Moïse avait vu, donc il a pris l'image du temple céleste, et il est dans le ciel même en ce moment. Il joue le rôle du souverain sacrificateur. Lorsque nous nous repentons, nous demandons pardon à Dieu, nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nos péchés nous sont pardonnés. Et en ce moment, il n'y a plus de porte, de faille pour que le diable entre dans nos vies. Les portes sont fermées, lorsque les démons sont chassés, ils partent. En ce moment-là, alors la bénédiction de Dieu vient sur nous, nous ne sommes plus sous la malédiction. En ce moment-là, la communion avec Dieu revient. Et si nous mourons dans cet état-là, alors nous allons au ciel, parce que le paradis existe. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Le paradis pour ceux qui croient en Jésus. Je dis bien en Jésus, pas en Dieu tout court. En Jésus. Dieu a envoyé un homme et en qui nous devons croire. Et si nous croyons en son Fils, alors lui, il nous approuvera et nous serons sauvés. Donc c'est ça l'évangile. L'évangile donc c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus qui est mort pour nos péchés. Ce Jésus a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. On nous dit ça à l'église, l'homme de Dieu. Oui, maintenant c'est à nous de croire en Jésus, de nous accrocher, d'être enseignés. Et lorsque nous avons cru, alors nous venons à l'église. L'église est donc ce cadre que Dieu a créé et où les croyants en Christ seront rassemblés. Donc l'église c'est le rassemblement de ceux qui ont cru en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et à l'église, qu'est-ce qu'on fait? Et on les enseigne, on les prépare. Comme Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et ils sont préparés. Ils sont préparés pourquoi? C'est ça la question. Parce que Jésus a fait aux disciples la promesse de venir les chercher. Je m'en vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous insistez encore sur cette promesse. J'insiste. Si quelqu'un va à l'église, il ne connaît pas ces choses, il n'est pas chrétien. Donc, nous attendons le retour de Jésus. Et je vous dis que son retour est imminent. Ah. Donc, vous voyez, ça c'est l'évangile. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on prêche aux gens. Et on prêche un évangile qui plaît à la chair. Ah. Et vous l'avez dit vous-même, le samedi passé, que le monde est dans l'église. Mais lesquels ont amené le monde? Le monde s'est déversé dans l'église. Mais qui a déversé? Comme un tsunami qui dévastateur. Qui a déversé le monde dans l'église? Ça, c'est ce sont ces gens-là qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce sont ces gens-là qui ont fait de Dieu leur ventre. Ça veut dire que l'église est devenue un business. Un business. Oui. Solide. Solide. C'est ce qui se passe. Donc, vous voyez ce qui se passe. Donc, à cette époque-là, j'ai appelé ça cet héritage de la honte. L'héritage de la honte. Oui.
Donc, cet héritage, la honte-là, était encore en miniature au temps de l'Église primitive. Ça, ça a commencé encore. Maintenant, il y avait encore des germes de... Oui. Maintenant, au fil des temps, la gangrène s'est développée. Au point que l'Église d'aujourd'hui a éclaté. Au point qu'au lieu d'avoir une seule Église de Christ, c'est maintenant des dénominations, un système qui n'existe pas dans l'Écriture sainte. Dites-moi qu'il y avait, et au temps de l'Église primitive, l'Église dénommée. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est leur église à eux. Ils ont donné des noms à l'église comme on le fait lorsqu'on crée une boutique. Chacun s'est taillé une église sur mesure. Oui, voilà pourquoi j'ai parlé de la démocratisation de l'église à l'excès. Et ça a choqué les gens. Non, c'est la réalité. Pourquoi? C'est la réalité. Oui. Et Paul l'a dit, quand nous retrouvons les prophéties s'accomplissent aujourd'hui sous nos yeux. Qu'est-ce que Paul a dit? Ah, redites-nous les prophéties. Dans 2 Timothée 4, Versets 3 à 4. Il dit, il arrivera un temps où les gens ne voudront plus entendre la saine doctrine. Ils ne vont plus aimer la saine doctrine. Donc, ils vont plus aimer l'enseignement ça. De Jésus. Dit, par la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on prêche? Et j'ai vu des gens venir de l'autre côté du fleuve. Ici, il y avait des prières de 14 000, il y avait des prières de 28 000, les prières, ce n'est pas de 54 000. Si vous avez 500, des prières on vous donne une prière de 500, ça a l'onction de 500. Est-ce que si ça... c'est 1 million, c'est l'onction d'un million que le Saint-Esprit fait descendre. Est-ce que les apôtres faisaient ça? C'est vous qui savez, l'homme de Dieu. Oui, non, on n'a jamais vu ça dans l'Écriture. C'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible. Ce sont des commerçants ambulants. Et ils marchandent avec le nom de Jésus, des mercantilistes. Mais ils le font avec le nom de qui? Le nom de Jésus. Et Pierre l'a dit. Un nom qui le nourrit bien. Oui. Comme il y a eu des faux prophètes à l'époque, dans le temps, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs. Dit par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ça, c'est dans 2 Pierre 2, c'est écrit. On peut prendre le verset. C'est vraiment écrit. C'est écrit. 2 Pierre, je précise bien le verset. Non, pendant que vous parlez là, oui. Les hommes de Dieu qui vous suivent. Oui. Ils maîtrisent la Bible. Hein? Donc, si vous dites c'est écrit, ils savent que c'est écrit. Oui, mais ils savent que si c'est pas écrit, ils vont envoyer au Méostasie ici. Ils vont les SMS. Vous pouvez envoyer tous vos SMS, toutes vos questions. On va lire les SMS, on va poser toutes vos questions que vous écrirez au numéro là. Chaque fois que l'homme de Dieu dit quelque chose, si ce n'est pas biblique, n'hésitez pas, réagissez par SMS, on va lire ça. Donc, c'est écrit, ils savent que c'est écrit. Ils savent que je maîtrise la Bible aussi. Ah, oui. C'est tant mieux. Oui, parce que j'ai passé tout mon temps à lire la Bible, à méditer la Bible, à écouter le Seigneur. Le Seigneur vous a formé le temps qu'il fallait. Voilà. Et vous voyez ce qui se passe. Donc, dans 1 Jean, verset du chapitre 2, je crois à partir du verset 18. L'apôtre Jean dit c'est la dernière heure. Il a été dit qu'un antéchrist viendra. Et je vous dis qu'il y a déjà plusieurs antéchrists parmi nous. Et cela veut dire que c'est la dernière heure. L'apôtre Paul dit encore que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est 1 Timothée 4, verset 1. Mais les esprits séducteurs, là, ce sont les prédicateurs. Évidemment. Les antéchrists, là, qui sont nombreux, ce sont ces prédicateurs, là. Ils ressemblent au Christ. Oui. Mais ils ne sont pas le Christ. Oui, c'est ça la signification de l'antéchrist. Hein? Il est comme Christ, mais ce n'est pas le Christ. Mais ce n'est pas le Christ. Oui, mais ce n'est pas le Christ. On croit qu'il travaille pour Christ, oui. Il est venu carrément détruire l'œuvre du Christ. Mais le diable, il est malin. Donc, c'est par malice que ces gens, par ruse, que ces gens sont furtivement entrés au milieu des chrétiens. Et le modèle que nous avons aujourd'hui de l'Église en tant que dénomination, système de religion, où il y a plusieurs églises, nous avons déjà le catholicisme, beaucoup de choses, ce modèle-là n'est pas le modèle biblique, ce n'est pas le modèle de Jésus. C'est le modèle
engendrée par l'œuvre des loups ravisseurs, l'œuvre des mauvais ouvriers, l'œuvre de ces gens-là qui se sont introduits dans le troupeau et qui ont entraîné des gens avec eux pour créer leurs églises à eux. L'église aujourd'hui n'est plus l'église de Dieu. L'église est devenue l'église de l'homme. Allez dans ces églises. Grave et... accusation à l'homme de Dieu. C'est bon. Ils savent que ce que je dis est vrai. Ah. Alors donc, l'homme s'est déifié. Donc il devient lui-même Dieu. Ils ont pris la place du Seigneur. Moi, j'ai des témoignages à faire. J'ai un jeune Jean, il n'est pas ici avec nous. Un jour, je prêchais dans la cellule, une cellule d'enseignement, et je commençais à parler de ces choses. Il a douté dans son cœur. Il a douté dans son cœur pendant que nous étions en train de prier. Alors, on a prié, l'Esprit est descendu sur les disciples, sur les gens. Il a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a pris en esprit pendant que nous étions en train de prier, l'a amené dans une église de la place. Ah. Il a vu cet apôtre-là, c'est un apôtre. Il est très coté aussi, en train de prêcher. Quand il prêchait, il faisait ceci. Le Seigneur a dit, tu vois ce qu'il fait? C'est un orgueilleux. Le Seigneur dit à ce jeune-là. Comme un sapeur de notre quartier. Oui, il a pris ma place. Et il lui a montré les brebis qui étaient toutes chétives. Il dit, parce que ses enfants ne sont pas bien nourris. Et il lui a dit, ce que votre apôtre vous a dit est vrai. Le jour arrivera où vous marcherez dans cette ville. Vous renverserez leurs autels, vous rebâtirez mon autel et mon peuple me servira nuit et jour. Ce que je voudrais dire à tous les frères. En les regardant droit dans les yeux. À tous les frères, je ne suis pas venu pour leur faire la guerre, je suis venu simplement pour vous dire la vérité. Ces choses que je vous annonce ne viennent pas de moi, mais ces choses viennent de Christ. J'ai passé tout mon temps de 1994 jusqu'en 2017 à écouter le Seigneur, à écrire ces choses et le temps était venu pour que le Seigneur m'envoie vers vous. Premièrement, les Brazzavillois, pour vous annoncer que l'heure est à la restauration de l'Église de Christ. Vous pouvez me croire ou pas, c'est votre problème. Mais ce que je vous annonçais, c'est quoi? Je crois que vous connaissez les prophéties. Et Dieu avait permis, avait dit et en son temps aux disciples que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Pourquoi le Seigneur l'a dit? Parce qu'il savait que ces temps de la rébellion. Donc la rébellion dans l'église allait venir. Donc les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignants et devraient venir dans l'église et faire de l'église ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et vous savez aussi vous-même que la confusion dans la chrétienté aujourd'hui est à son comble. Elle a atteint son apogée. Ça, personne ne peut dire le contraire. Et il n'y avait jamais eu deux églises au temps de l'église primitive. C'était une seule église et l'église que Christ est en train de construire. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc cette église-là a été détruite, a été émiettée, a été mise en lambeaux. Et alors, où est l'amour? Où est l'unité exprimée par Paul dans sa vision du corps de Christ qui est l'église? Le corps de Christ est indivisible. Il n'a jamais été question que les apôtres viennent pour dire « Je suis apôtre, je crée mon église. Celui-là arrive, j'ai reçu un ministère, prophète, je vais aller créer mon église. » Mais chaque ministère a sa fonction. Et j'ai été enseigné là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un enseignant? Comment exercer ses dons dans l'organisation de l'église? Et par les services, tout ça a été donné, enseigné par le Seigneur. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'imbroglio est total. La confusion a atteint son paroxysme. Et donc, le Seigneur ne pouvait pas laisser les choses et continuer ainsi. Lui qui est le chef suprême de l'Église, lui qui a fait la promesse de venir chercher les siens,
et il a décidé aujourd'hui de restaurer son Église. Et c'est quoi la restauration de l'Église? Je l'ai dit, que c'est refaire quelque chose en son état ancien ou à sa forme première. Donc c'est le retour aux sources. Et ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Ces choses-là, on les a vécues à l'époque. Et lorsqu'Akab lui-même a abandonné le Seigneur pour aller sacrifier vers les Baals et aux autres, les Astarté. Et il a fallu qu'il y ait un Élie, cet habitant de Galal, le Tishbite, qui est apparu pour dire « Il n'y aura ces années-ci en Israël, ni rosée, ni pluie, sinon qu'à ma parole. » Et pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu en Israël. Et alors lorsqu'il était, Élie était apparu, il a dit à Akab, appelle-moi le prophète Baal. Vous connaissez ce défi qu'Élie a lancé au prophète de Baal, au prophète d'Astarté. Et ce jour-là, l'autel de l'Éternel, les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus des enfants d'Israël, cet autel avait été rebâti. Et Élie a invoqué le feu, et le feu était descendu. Israël est tombé face contre terre. Israël a crié, l'Éternel, le Dieu d'Élie est Dieu. Alors, et aujourd'hui encore, alors les gens ont abandonné le Seigneur. Les gens font le business avec le nom de Jésus, font les affaires avec le nom de Jésus. L'Église est calomniée aujourd'hui à cause de ce comportement. Et le Seigneur m'a dit que les dénominations, les systèmes de religion, c'est là le fruit du comportement déviant des serviteurs. Sinon, en réalité, au demeurant, il n'y avait qu'une seule Église, l'Église de Jésus. Cette Église était unie. Cette Église, ses apôtres, ses prophètes, ses anciens travaillaient ensemble pour la gloire du Seigneur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous le savez vous-même, qu'une seule épouse montera au ciel. Mais pour constituer cette épouse-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça la mission que le Seigneur a confiée à l'œuvre de la restauration. Le rassemblement des saints. Donc votre rassemblement à vous, je vous l'annonce déjà. C'est un réveil qui ne concerne pas que Brazzaville. Ce réveil va aller dans le monde entier. Mais vous avez reçu la grâce. La grâce est pour vous, l'honneur est pour vous parce que Dieu a choisi Brazzaville pour commencer cette œuvre de la restauration. Vous allez me dire que ça se passera comment? Je vous annonce ici un grand réveil qui va arriver. Et qui a même déjà commencé parce que nous vivons déjà le réveil. J'ai ici, dans le studio, peut-être pas, ils ne sont pas avec nous ici sur le plateau, mais des gens qui ont passé 5 jours sous l'onction du Saint-Esprit, des gens qui ont été visités par les anges de Dieu, les gens qui ont vu des choses extraordinaires, des gens qui ont reçu les anges dans leur maison. J'ai avec moi ici des prophètes, des bergers, qui sont tous des évangélistes, qui sont tous des témoins des choses qu'ils ont vues. Voilà, au départ, j'étais seul. Je pensais que j'étais seul. Maintenant, je ne suis plus seul. Nous sommes nombreux maintenant et qui témoignons que c'est l'heure de la restauration de l'Église. Et donc, il y a un vent. Et ce vent, personne ne pourra l'arrêter. Je vous préviens. Personne ne pourra l'arrêter. Et la Bible nous prévoit 2 pluies. La pluie de la première et de l'arrière-saison. La première pluie a eu lieu au temps de la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, pour la première fois. Et pour faire quoi? Et pour l'édification de l'Église. Mais après le travail des loups ravisseurs, après ce travail de sape, après la dislocation de l'Église, après donc la division, la démocratisation de l'Église, vient maintenant l'heure de la restauration. Rassembler les saints, les préparer en vue de leur rencontre avec Jésus-Christ. Et cela est lors de l'enlèvement de l'Église. L'Église, l'enlèvement est imminent. Et donc, l'heure est venue et de rassembler les saints et de leur montrer ces choses. Ici sur le plateau, nous n'avons pas assez de temps pour vous parler même de tous les enseignements que nous avons reçus, qui sont déjà écrits, qui sont gardés. Et ces enseignements sont gardés pour vous. Donc, celui qui refusera de le faire, alors il sera considéré comme le pharisien de notre époque. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un jeune garçon qui est ici. Il a une vision à l'église. Alors, un jour, dans la vision, nous étions dans l'église, dans l'enceinte du temple.
Et il a vu le tiers des brebis qui étaient là sortir. Et les anges étaient venus et avaient des petits bâtons comme ça dans leurs mains. Et à chaque fois que l'ange transmettait le bâton à quelqu'un, cette personne resplendissait, ses habits devenaient blancs et comme la neige. Et alors, il changeait donc l'aspect. Donc, le tiers des gens qui avaient reçu ces petits bâtons et étaient devenus comme de la neige, donc avaient changé d'aspect. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc, derrière, il y avait une ceinture derrière. Cette ceinture-là était composée des anges et des prophètes qui sont avec moi. Il y avait encore deux rangées comme ça de part et d'autre. Uniquement les anges, au milieu. Devant, il y avait moi, en blanc, avec un bâton, un long bâton. Mon bâton était long, plus long que les autres. Et devant, et derrière moi, il y avait un prophète qui est avec moi, non, un évangéliste en ce moment à Pointe-Noire, et un berger, le berger Romial, qui est avec moi. Et derrière eux, il y avait toute cette masse-là. Et le jeune garçon qui est là, quand il a vu, il a dit, mais les autres commencent à briller. Il a couru vers l'ange, l'ange lui a tendu son bâton. Lui aussi, il a commencé à changer d'aspect. Il est entré, il a dit, mais pourquoi, il a dit à l'ange, pourquoi tu laisses les autres? Ils sont aussi des enfants de Dieu. Pourquoi tu les as laissés? L'ange lui a dit, ces bâtons-là ont été envoyés par le Seigneur. Et chaque bâton correspond à celui à qui le bâton est destiné. Donc on ne peut pas prendre le bâton d'un tel, d'Alexis par exemple, et donner à une autre personne. Et il commençait à intercéder un peu. Et l'ange a dit, mais eux, ils n'ont pas écouté la parole que prêchait ce monsieur-là. Et quand l'ange a désigné, ce monsieur, c'était moi. Je parle là devant celui qui a eu la vision, il est là. Ah, oui. En tout cas, il est derrière la caméra. Oui, il vous a accompagné au studio ici. Oui, oui. Alors, et l'ange lui dit, mais toi, tu te lamentes au sujet des autres et cherche ce que ton père et ta mère sont là. Il a fouillé, son père et sa mère, je ne sais pas, ils prient, je ne sais pas, l'église évangélique. Des trucs comme ça, là, pour les protestants. Mm. Oui, il dit, est-ce qu'ils sont là? Et il fouille, il n'était pas là. Il dit, mais lui, il se dit, il dit au fond de lui, je vais prendre mon bâton, je vais courir, je vais aller en courant et donner le bâton à ma maman. Et comme ça, lui aussi va changer d'aspect. L'ange rétorque, il parlait au fond de lui. L'ange dit, même si tu donnes à ta mère, elle ne va pas changer d'aspect parce que ce bâton a été destiné à toi seul. Et alors, ensuite l'ange lui dit, il dit, regarde de l'autre côté là-bas. Il regarde de l'autre côté, il voit beaucoup de pasteurs. Les apôtres, les prophètes, les enseignants, les chrétiens de tous bords, de toute obédience religieuse, on peut dire ça comme ça. Ils étaient nombreux, des foules nombreuses. Et l'ange lui dit, ils ne savent pas ce qui se passe. Ces choses-là, ils ne les connaissent pas. Ils sont dans la distraction. Il dit, tu vas voir ce qui va leur arriver. Et il dit, quand je regardais papa, le feu descendait du ciel, comme des vagues géantes. Et ce feu s'était déversé sur eux et ils étaient tous consumés par le feu de Dieu. Maintenant, nous, on a continué notre bonhomme de chemin. On allait dans chaque rond-point, il y avait des gens qu'on prenait, qui rentraient. Mais il y avait d'autres qui ne pouvaient pas rentrer. Donc, ils ne pouvaient pas rentrer et on allait, on prenait des gens comme ça et on partait. Les gens étaient au bord, les gens pleuraient, mais sans solution. Ça, c'est la vision que nous avons. Il y en a bien d'autres encore. Et il y a un autre qui est ici, il est de l'autre côté là-bas, derrière la caméra, Ebusu Tanguy. Lui, il était à Djambala. Pendant qu'il adorait, il enseignait là-bas. Un samedi, il adorait. Et pendant qu'il adorait, le Seigneur lui dit, il lui montre une vision. Donc, quelqu'un passait le long du chemin. Il avait un fruit qu'il mangeait. Et après avoir mangé le fruit, il a pris la graine, il l'a jetée au bord de la route. Et il s'en alla. Mais cette plante, cette graine-là, germait difficilement. Et elle a fait pousser une petite plante. Et une plante qui grandissait difficilement. Les passants qui passaient venaient là et s'arrêtaient pour se moquer de la petite plante. Est-ce que toi, tu peux grandir jusqu'à atteindre la stature des autres arbres qui sont autour? Parce qu'il y avait des arbres qui étaient géants autour là. Et ils se moquaient donc de la petite plante. Et après quelques années, la petite plante a grandi. Elle est devenue un grand arbre avec un feuillage abondant, avec beaucoup de fruits. Ces fruits commençaient à servir de nourriture pour Brazzaville
pour les villages du Congo, pour les villes du Congo, pour l'Afrique centrale, pour le monde entier. Et le Seigneur dit, et maintenant les passants, ils commençaient maintenant à venir s'abriter sous l'arbre et pour fuir les rayons solaires. Mmh. Et ils se nourrissaient maintenant des fruits de cet arbre. Et le Seigneur dit au jeune garçon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le jeune garçon a dit, Seigneur, je ne sais rien. Il dit, l'arbre que tu as vu, c'est l'œuvre de la restauration. L'arbre que tu as vu, c'est l'œuvre de la restauration. Les arbres que tu as vus autour, ce sont les églises de renommée internationale. Il dit, l'œuvre de la restauration grandira jusqu'à dépasser ces églises de renommée internationale. Les fruits que vous aurez dans cette œuvre serviront de nourriture pour les Congolais, pour les, ceux de l'Afrique centrale, le monde entier. J'ai dit cela pour montrer aux autres que cela ne dépend pas de vous ni de moi. Mm-hmm. Mais c'est l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas parmi vous qui pourra regimber contre les aiguillons du Seigneur, du Maître. Paul, qui est devenu apôtre, a persécuté l'église de Dieu à outrance. Il a même reçu les lettres de la part des souverains sacrificateurs pour aller arrêter les gens qui invoquaient le Seigneur dans des villes étrangères. Mais sur le chemin de Damas, il a été arrêté net. Mm-hmm. Et il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, mais que voulez-vous que je fasse, Seigneur? Il dit, rentre à Damas, là-bas on te dira ce que tu feras. Il arrive à Damas, le Seigneur se révèle à un certain disciple nommé, un certain Ananias. Il dit, Ananias, va dans la rue d'Antel-Uriel, tu verras un certain Saul de Tarse. Il venait en chemin, il a une vision, et tu es venu prier pour lui, il a reçu le Saint-Esprit. Ananias se dit, non Seigneur, cet homme-là, c'est un instrument, il est venu ici pour nous arrêter. Il a reçu les lettres de la part des souverains sacrificateurs pour arrêter et mettre en prison tous ceux qui invoquent ton nom. Le Seigneur dit, non, calme-toi, c'est un homme que j'ai choisi. Il portera mon évangile chez les nations, chez les juifs, ainsi de suite. Et Ananias est parti à prier pour Paul et Paul a reçu le Saint-Esprit. Paul est devenu un serviteur de Dieu. Mm-hmm. Nous avons confiance au Seigneur. Cette œuvre-là, Dieu en est l'auteur. Jésus en est l'auteur. Et je ne suis qu'un porte-parole, mais celui qui est en moi s'appelle Christ. Celui qui m'a mandaté s'appelle Christ. L'heure est donc à la restauration de l'Église. L'Église sera restaurée, que vous le vouliez ou pas. Mais pour le faire, il faut toujours commencer à parler aux chrétiens, mm-hmm. parce que ce sont nos frères. Évidemment. On ne peut pas commencer une œuvre comme ça, on va directement vers les païens. Ah non, ils vont dire, mais commencez d'abord chez vous-même. Voilà là-bas. Pourquoi même les apôtres ont commencé d'abord chez les juifs. Mm-hmm. Voilà pourquoi nous commençons d'abord avec les chrétiens. Donc cette œuvre est votre œuvre. Ce n'est pas mon œuvre, ne me l'attribuez pas comme ça. C'est l'œuvre du Seigneur. Moi, je suis un serviteur que Dieu a choisi et pour accomplir une tâche et dans son Église. Mais je ne serai pas le seul. D'autres apôtres s'ajouteront. Mm-hmm. Oui, pourquoi pas. Et est-ce que moi seul, je pourrais conduire seul l'Église du monde? Il y aura d'autres apôtres et qui vont faire la continuité de l'œuvre apostolique. Pourvu qu'ils comprennent l'œuvre de la restauration, voilà, et de l'Église. Et travailler ensemble. Ok, alors donc, c'est tout compris, mesdames et messieurs, c'est tout à fait homéostasique. Le temps est contre nous. Ce temps-là, quand c'est homéostasique, ça passe vite, mais ce n'est pas un problème. Nous avons eu l'essentiel dans la deuxième partie de cette émission. L'homme de Dieu a délivré son message. Il a fait une étude comparative, sérieuse. En tout cas, toutes vos questions envoyées par SMS. Et ceux-là qui veulent avoir les coordonnées pour appeler l'homme de Dieu, envoyez seulement un SMS au numéro qui s'affiche à l'écran, nous vous donnerons les numéros qu'il faut appeler pour aller là où se trouve l'église restaurée d'ores et déjà. Attention, on ne se fie pas à son chef, à son pasteur, à son apôtre, à son évangéliste, parce qu'on est habitué à ce que la mingi. Non, c'est la Bible qui parle. Est-ce que l'église, telle que nous la vivons chez nous, dans notre dénomination, est-ce qu'elle est conforme à l'église primitive, au modèle original, authentique? Parce que l'homme de Dieu, en apôtre, avisé, mandaté, apôtre visionnaire, vient ici comme pour nous dire, ça ne date pas d'aujourd'hui l'émiettement de l'église. C'est vrai qu'aujourd'hui nous voyons cette prophétie de Jésus s'accomplir, mais les germes
date de depuis l'apôtre Paul, et même avant, l'apôtre Paul a su nous indiquer par A plus B, en noir et blanc dans la Bible, que vous verrez ces choses arriver, mais alors attention, on ne change pas de fondement de l'Église. Alors, homme de Dieu, nous n'avons pas la maîtrise de ces choses-là, c'est vous qui maîtrisez, vous êtes apôtre, évêque, vous êtes docteur, vous êtes archibishop et tout ça. Par SMS, dites-nous vos réactions, parce que nous recevrons l'homme de Dieu, Roland et Yoka, dit Jean. Nous le recevrons dans une troisième partie, ce samedi prochain, pour que nous puissions lui poser toutes vos questions et nous aurons donc la réponse, parce que c'est vrai que le constat a été fait. Maintenant, tout ça l'anime. Que faire? C'est la problématique qui va se poser. Et déjà, il y a des questions qui nous arrivent ici, comme pour répondre, poser des questions à l'homme de Dieu pour qu'il nous réponde. Sinon, Dieu lui-même nous est témoin que nous avions préparé pour vous deux vidéos. Mais quand l'Esprit est descendu sur l'homme de Dieu, il a dit au Messie Sazik, laisse d'abord tes vidéos là. On doit d'abord repositionner les choses comme elles doivent être repositionnées. Voilà qui est fait. Et pour conclure, l'homme de Dieu a su bien le dire. La restauration de l'Église sera faite. Elle va s'accomplir, que vous le vouliez ou pas. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend même pas de Mio Sazi, la spiritualité des profondeurs, qui déjà ne vaut rien. Ça ne dépend pas des grands maîtres maçonniques et autres qui attendent que l'Église soit restaurée. Nous sommes là à accuser les païens. Nous sommes là à accuser les athées. Nous sommes là à accuser les francs-maçons, rosicruciens et autres, les animistes. Mais nous-mêmes, où est-ce que nous en sommes avec la prophétie du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Je m'en vais, je vous prépare des places et vous aussi, le moment venu, vous arriverez là-bas. » L'apôtre a posé les fondements pour que cela s'accomplisse. Si quelqu'un est contre, qu'il vienne nous montrer, ouvrir sa Bible ici et nous démontrer par A plus B que l'Église se porte bien. Mais la pensée du jour nous a bien dit « L'Église du Christ, mesdames et messieurs, est actuellement dans le coma. » Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. L'homme de Dieu, félicitations. Merci.